Jude Bellingham, il est vraiment monstrueux. Jude Bellingham est monstrueux. En 3 matchs, il a marqué 4 buts et délivré, je pense, une passe décisive. C'est incroyable. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Jude Bellingham. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fou, on est parti. Alors, les gars, Jude Bellingham est stratosphérique. Stratosphérique. 3 matchs, 4 buts, une passe décisive. C'est vraiment les stats d'un avant-centre de classe mondiale, de très très haut niveau, type Lewandowski à l'époque, type Ronaldo même, Cristiano Ronaldo à l'époque. Donc, Bellingham est monstrueux, mais moi je trouve juste qu'il superforme. Bellingham superforme. Ça ne va pas durer sur le temps, je le pense. Pour moi, il superforme. Et si le Real n'anticipe pas, si le Real pense que ça va durer ainsi, pardon, si le Real pense que ça va durer ainsi, il se trompe lourdement. Le Real doit recruter un neuf. Le Real doit recruter un neuf. Bellingham ne finira pas sur cette lancée. À un moment donné, il va avoir un coup de moins bien. Et à juste titre, ce n'est pas un avant-centre. Donc, moi, je pense juste que Bellingham, certes, il a du talent, il est monstrueux, mais il superforme. Et c'est au Real d'anticiper, de trouver un avant-centre. Parce que ça va bloquer tôt ou tard. Ça va bloquer tôt ou tard, surtout en Ligue des Champions. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Jude Bellingham va continuer sur cette lancée? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.